Alors, bonjour la planète, bienvenue à l'émission Tam Tam Canada, bien connue aussi sous son nouveau nom qui s'appelle Toute la planète en parle. Ici autour de la table, nous avons bien sûr nos coéquipiers de cette semaine et on va se tourner vers la planète pour la saluer, pour la remercier. Salut, allô la planète! On va encore aujourd'hui parler d'une question très importante au plan de la santé, vous allez le voir. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était il y a deux semaines, on a établi des records de cotes d'écoute, n'est-ce pas? Alors nous, jamais 203. On va le faire à nouveau aujourd'hui. Autour de la table, Paloma Martinez. Bonjour, Paloma. Bonjour, Stéphane. De la section latino-américaine. Je dis ça parce que cette semaine, on prête ses services à cette autre section. Normalement, elle travaille avec nous. Et puis, de la section anglaise de Radio-Canada International, Mark Montgomery. Bonjour, Mark. Hello. Hello. Et puis, Marie-Claude Simard, bien connue dans le monde des Simards au Québec. C'est un nom de famille très connu, identifié à quelques stars et vedettes. Bonjour, tout le monde. Et puis, Léo Gimeno, de la section latino-américaine, webmestre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous connaissez la tradition, 5 images, vidéo, on vous présente. Vous me dites c'est quoi le sujet cette semaine. Et nos internautes participent et s'amusent avec nous en même moment pour deviner le sujet. Première image. Bisou. Un bisou. Oh! Opération chirurgicale. Cœur. OK, oh. Ça s'annonce mal. Beaucoup de cœur. Oui. Mal de cœur. Cinquième image devrait vous aider encore. Oh. Okay. Oh. Des hommes recyclables. Oh. Voilà. Et la réponse, vous voyez, on a ajouté. Donne d'organes. Voilà, donne d'organes. Voilà. J'avais ajouté les images de garçons pour comment elle s'appelle? Je ne sais pas de qui tu veux parler. Attention! Il y a peut-être... piétonner... problème de poursuite ici, hein, c'est ça. Très bien. J'en parle pas. C'était pour quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui avec nous, malheureusement. Mm. Alors, c'est ça, don d'organes, sujet très sérieux. Il y a des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, d'accord? On va s'intéresser aux deux aujourd'hui. Nombre de donneurs est en augmentation constante au Canada. Une hausse qui se traduit aussi par une baisse du nombre de personnes sur la liste de gens qui ont besoin d'organes. Mmh. On ne disait pas ça il y a peut-être 10 ans. Ça, c'est nouveau. Les Québécois aussi, en masse, disent oui aux dons d'organes sur les permis de conduire. La même chose au Canada. 4 Québécois sur 10 ont déjà signé un accord en sens. Et au Québec, vous avez encore pourtant un peu plus de 800 personnes qui sont en attente d'un don d'organes. Malgré tous les progrès qu'on fait, 800 personnes, c'est beaucoup, beaucoup de personnes. C'est beaucoup de monde. Je pense que les dernières statistiques, c'était que tout près de 250 étaient décédés il y a l'an dernier, parce qu'on attendait et on n'a pas reçu à temps. Aujourd'hui, je vais vous demander, c'est la question, première question de notre jeu questionnaire. Vous savez, on va aujourd'hui vérifier l'étendue de nos connaissances. Limitées. Ou de notre ignorance, on va voir. Je vous laisse le dire. Mais non, c'est parti. Vous êtes très bon en général pendant ces questions-là. C'est la première manche de notre jeu questionnaire de la grosse boule. C'est bon pour combien de points? Bon, 10. Toujours. Ah, j'allais dire 20. Non, ça c'est après. 10. 20. Ben, oui, 20. Oui, oui. Ah, les habitués le savent. C'est 20 points. Alors voici, vous nous lisez la question, Marie-Claude. Quel est l'organe le plus transplanté au Canada avec 1731 chirurgies en 2016? Voilà, Paloma. Rein. Rein? Je suis d'accord. Pourquoi? Ben, parce que c'est la bonne réponse. Ah bon? Pour moi, je vais dire le foie. Pourquoi? À la foie. J'ai comme une intuition, là. Ah, oui, c'est ça. Ouais. On connaît les intuitions de ces côtés-ci, là. Ben, je vais être foie comme elle. 50-50. Écoute, il y a deux fois plus de reins. Ah, ouais, c'est ça. Ben, je ne sais pas si les statistiques vous donnent raison, Marc, mais vous avez la bonne réponse, vous et Paloma. Bon. 20 points chacun, c'est le rein. Et au niveau des détails, là, si ça vous intéresse, c'est dans 57% des cas. C'était énorme. On va avoir d'autres statistiques au fil d'émission. On ne donne pas tout en même temps. Bien sûr, on garde un peu de séance. C'est ça. Donc, 20 points. Voilà. Je vais vous proposer une histoire. Parce qu'on a toujours un spécialiste à cette émission. Encore une fois, c'est un des grands spécialistes sur cette question au Canada. Mais je vous propose d'abord cette histoire très touchante parce que ces histoires d'organes, ce sont des personnes, avant tout. Ce sont des gens. Ce ne sont pas que des morceaux. C'est une réalité qu'on ne vit pas souvent.
mais à trop souvent. Voici l'histoire d'une jeune femme, c'était en 2015, regardez bien ces images, ça dure 1 minute 45 secondes. Reportage de Radio-Canada, Julie Gagnon, une jeune fille. Soins intensifs. Jeune femme. Une visite pour oublier la bataille contre une maladie qui grandit. C'est difficile d'enrayer les pensées négatives parce qu'on en voit beaucoup de gens qui meurent. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a eu les jours meilleurs, une passion pour la musique, le choix de vivre à fond chaque jour, malgré la fibrose kystique. Elle est merveilleuse. Es-tu pas merveilleuse, cet enfant-là? Bon, chacun a sa personnalité, mais Julie est particulièrement forte. Elle nous impressionne tous, elle est une vraie battante. Sauf que le temps commence à manquer. Malgré tout son courage, à moins d'une transplantation pulmonaire, Julie est condamnée. Cette transplantation pulmonaire, bien, sa vie est très écourtée. Puis malheureusement, elle risque de nous quitter au cours des prochaines semaines, tellement sa maladie est avancée. Mais voilà que l'histoire suscite l'appui de l'animatrice Véronique Cloutier sur les médias sociaux et que les témoignages de sympathie commencent à affluer. On reçoit des beaux messages de partout dans le monde, même, je vous dirais, suite à la publication qui a été passée sur Facebook. Des gens qu'on veut sensibiliser à l'importance de signer la fameuse carte de don d'organes. Dans le lot, peut-être le donneur qui peut tout changer pour Julie. Je pense que ça va arriver. J'y crois vraiment que ça va arriver. Alors voilà, si vous avez entendu le téléphone sonner, c'était pas dans le reportage, c'était le téléphone de notre invité spécial cette semaine qui a filtré sur Skype. On sera avec lui dans un instant ou deux. Vous vous demandiez, n'est-ce pas? Comment cette histoire a-t-elle terminé? C'était en 2015, cette jeune femme dans la ville de Québec, on en a beaucoup parlé. Comment ça s'est terminé? Les médias en ont abondamment parlé. Ça s'est bien terminé? C'est une question, j'ai besoin d'une affirmation. Moi, je pose la question. Oh, je ne suis pas au courant, malheureusement. Je pense que c'est très bien terminé, effectivement. Okay. Ça s'est très bien terminé. Initialement, elle a reçu finalement 5 greffes de poumon, ce qui est une opération plutôt rare. Sauf qu'elle est décédée au mois de janvier de l'an dernier, près de 2 ans, un peu plus de 2 ans après avoir reçu cette greffe. Elle était retournée au travail, elle était pleine d'énergie. Il y a eu, semble-t-il, un problème peut-être de rejet de la part de ses poumons. Et donc, une fois qu'on reçoit l'organe, ce n'est pas nécessairement gagné. Il y a encore des obstacles, hein, au devant de soi. Oui, une fois avec une greffe comme ça, il faut prendre des médicaments tout le restant de la vie. Mm-hmm. Exactement. Écoutez, aucun d'entre nous n'est spécialiste. Non. C'est le temps de se tourner vers celui qui aura réponse à nos questions, simples et compliquées à la fois. Alors, il s'agit du docteur Pierre Marsolet, directeur du Centre de prélèvement d'organes de l'hôpital de Sacré-Cœur à Montréal. Bonjour, docteur Marsolet. Bonjour tout le monde. Désolé pour le téléphone, j'avais pensé à débrancher mon téléphone cellulaire, mais je n'ai pas pensé à l'autre téléphone. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. J'espère que ce n'était pas un appel urgent. Est-ce qu'on vous réveille la nuit des fois parce que vous êtes dans un domaine très sensible? Oui, tout à fait. Oui. En fait, comme la plupart des médecins qui font des gardes aux soins intensifs, on est entraîné à ça. Et pour nous, la nuit, le jour, ça ne fait plus de différence. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir un spécialiste des dons d'organes? En fait, par exposition, ma spécialité de base, c'est la médecine interne, soins intensifs. Et rapidement, dans les années 80, j'adorais les soins intensifs, les soins neuro-intensifs, donc les personnes qui avaient des lésions cérébrales graves. Et malheureusement, il y a des gens qui décèdent, on doit annoncer des décès. Et j'ai rapidement compris que d'offrir l'option du don d'organes à une famille était une source de soulagement très importante. D'ailleurs, c'est la principale raison pour laquelle moi, en fait, ma source de motivation à moi, oui, le don d'organes profite aux receveurs d'organes, mais ça profite aussi aux familles de donneurs. Et donc, c'est cette forme de soulagement-là qui, en même temps, en fait, me réconforte, moi, de pouvoir soulager ces familles qui sont éprouvées. Essayons de montrer à notre auditoire, qui au niveau international, qui aimerait comprendre la place du Canada par rapport à cet enjeu-là. J'ai lu des articles indiquant que c'est l'Espagne qui est la recordman dans le monde au niveau du don d'organes, un petit pays qui est plus pauvre que le Canada. Nous sommes à la traîne des États-Unis. Où est-ce qu'on se situe mondialement? Je dirais qu'on est probablement dans le milieu de la classe. On peut faire nettement mieux. Pour vous donner une idée, là,
le Portugal, la Croatie, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique, la Finlande font mieux que le Canada. On est probablement 10e ou 11e. Les études du Collège de médecins ont démontré qu'au Canada, au Canada et au Québec, là, incluant le Canada, là, on peut faire deux fois mieux, parce qu'on fait 20 à 22 donneurs par notre population, mais notre potentiel en donneur cadavérique, mort cérébrale, c'est plus de 40. Alors, on fait la moitié de ce qui est possible de faire. Là, je ne parle que d'une catégorie de donneurs cadavériques, les donneurs à mort cérébrale. Il existe une autre catégorie, les donneurs après décès cardio-circulatoire, qui est de plus de 40 également. Donc, le vrai potentiel au Canada, c'est plus de 80 donneurs par million. On en fait 20. Puis, il y a aussi, moi, j'ai découvert ça cette semaine en faisant des recherches. Ça ne m'était jamais vraiment venu sous le sens qu'il y avait des donneurs vivants. Bien sûr qu'il y a des donneurs vivants. Et c'est une catégorie importante, mais qui est en déclin. J'ai regardé les statistiques, un rapport canadien là-dessus, c'est un petit peu étonnant par rapport au fait qu'on fait de plus en plus de publicité à chaque année par rapport aux dons d'organes, puis il y a un déclin de ce côté-là, alors que la médecine les progresse. Oui. Écoutez, le déclin n'est pas si important parce que j'ai regardé, en fait, j'ai comparé 2006 et 2017, c'est un point, c'est-à-dire sur par million. Il y a un léger déclin, effectivement. Il y a beaucoup de progrès à faire, beaucoup, surtout au Québec. Vous savez qu'au Québec, on a été longtemps les champions canadiens en dons cadavériques, mais les derniers de la classe en dons vivants. Et là, on commence à s'améliorer au Québec en dons vivants. Et il y a beaucoup de chemin à faire ce côté-là. Et moi, j'ai bon espoir que le don vivant va garder le cap, là, va rester performant. J'ai une statistique à montrer à l'antenne, et ensuite mes collègues vont participer à la conversation. C'est la vidéo numéro 4, c'est très court, et ça montre les opérations, les transplantations les plus fréquentes. Et j'ai été surpris, on voyait le cas de la jeune femme qui recevait une transplantation des poumons. La liste d'attente, c'est 330 jours. Mais là, quand on arrive au pancréas, c'est 1689 jours. C'est des écarts tout à fait incroyables. Pourquoi une telle différence par rapport à un type d'organe? Oui, le pancréas, je dirais deux raisons principales. Premièrement, on greffe des pancréas à des gens qui sont diabétiques. Et les diabétiques, dans le fond, sont affligés d'une maladie qui est le diabète pour laquelle on doit prendre des médicaments d'insuline. Alors, si je vous greffe un pancréas, je vais vous soulager de votre diabète, mais je vais vous donner une autre maladie, c'est-à-dire le rejet. Donc, pour laquelle vous aurez à prendre des médicaments anti-rejet. Donc, remplacer un problème par un autre n'est pas nécessairement toujours avantageux. On va greffer le plus souvent des pancréas à des gens qui auront besoin aussi d'un deuxième organe. Exemple, les diabétiques souvent vont tomber en insuffisance rénale, donc auront besoin d'un rein. Donc, de toute façon, auront besoin d'être greffés. Alors, tant qu'à greffer, tout aussi bien les soulager de leur diabète en même temps. Donc, ce sera rein, pancréas. Quand les diabètes sont très mal contrôlés, on va transplanter des pancréas à des diabétiques, seulement que le pancréas. Mais encore là, on va cibler les diabétiques les plus compliqués, les plus difficiles à gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a moins de greffes de pancréas, ou les greffes de pancréas, ça va prendre plus de temps. Là. Donc, c'est simplement, on va cibler les receveurs pour que le traitement, la thérapie soit appropriée pour la qualité de vie aussi. Parlement. Oui, comment? L'autre raison, c'est que la greffe de pancréas est relativement récente aussi. C'est beaucoup plus récent que les autres types de greffes. Parce qu'avant, on prétendait que greffer un pancréas, on remplaçait un problème par un autre. Je me demandais comment on peut faire pour faire mieux. Parce que vous disiez tout à l'heure, docteur, qu'on pourrait faire la donation, les dons d'organes deux fois plus que ce qu'on fait actuellement. Comment on ferait ça? Comment on pourrait atteindre cet objectif-là? Ça, c'est la vraie question. C'est la raison pour laquelle on n'y arrive pas, c'est que c'est très compliqué. C'est que la plupart des spécialistes savent que c'est multifactoriel. Mais les gens dans la population, les décideurs, vont cibler un problème. Exemple, le consentement présumé. On voit ça à tous les ans, on voit des manifestations, des pétitions, des gens qui vont prétendre qu'avec un consentement présumé, ça réglerait tous les problèmes. Je peux vous dire que le consentement présumé n'est pas la solution au problème. Même dans des pays où il y a le consentement présumé, exemple en Espagne, on prétend que le consentement présumé nuit au processus de don d'organes. Il y a des endroits, exemple au Brésil, on a installé le consentement présumé, puis il a fallu annuler cette loi-là parce qu'on s'apercevait que ça nuisait au don d'organes. Comment on peut faire mieux? Plusieurs facteurs. Premièrement, le don d'organes, c'est très éprouvant pour les professionnels et c'est très compliqué. Puis ça, les études partout dans le monde, en Pologne, en France, en Suède, les études démontrent que pour les professionnels, le don d'organes, c'est
plus compliqué que de faire que les patients habituels de soins intensifs. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des gens qui sont décédés, donc il y a des charges émotionnelles qui sont très importantes. On doit rencontrer des familles. Et les professionnels sont tristes quand ils font ça. C'est qu'il y a un sentiment d'échec, puis ils ont cette empathie naturelle, ce qui fait qu'ils sont tristes avec la famille. Les personnes en mort cérébrale sont très instables. Donc, il y a le défi émotionnel, éthique, moral. Il y a le défi médical, c'est-à-dire d'arriver à stabiliser les organes d'une personne dont le cerveau ne fonctionne plus. Donc, il y a deux défis. Le troisième défi, il est administratif. Là, vous allez occuper un lit de soins intensifs avec des ressources très importantes pour un patient, entre guillemets, dont la plupart des gens vont dire, ben oui, mais là, Pierre, tu veux utiliser toutes ces ressources-là pour un patient qui est mort? Est-ce qu'on peut s'occuper des vivants? Parce qu'on ne met pas dans la balance que cette personne-là décédée pourrait en sauver 4, 5, 6, 7 autres dans d'autres lits soins intensifs. Donc, il faut voir plus loin que ça. L'administrateur qui ne s'occupe que de la gestion de son propre hôpital, lui, il voit à son propre budget. Puis, dans le fond, les lits soins intensifs soulagés ailleurs n'est pas sa première préoccupation. Donc, il faut arriver donc, ça prend cette conscience sociale et administrative. Ça prend ce courage moral, éthique et émotionnel, et ça prend aussi la volonté et la capacité de stabiliser ces patients qui sont très instables. Là, je fais des longues, longues réponses, je suis désolé. Mais ça, c'est dans ma nature. Bien, écoutez, vous avez mis le doigt sur quelque chose dans votre longue réponse, c'est que c'est un long processus impliquant beaucoup de gens. C'est pan-canadien, bien souvent. Décrivez-moi une scène là, où vous pouvez me montrer, là, me décrire à tout le monde à quel point ça peut devenir extrêmement compliqué au niveau des équipes là, qui viennent chercher les organes. La machine, ce que les gens souvent ne réalisent pas, c'est que derrière un don d'organes, il y a une immense machine. Je donne un exemple. S'il y a un donneur dans un hôpital, exemple en périphérie de Montréal, et que la famille souhaite procéder au don d'organes, premièrement, à partir du moment où vous dites oui au don d'organes, en moyenne, il y a 36 heures. En moyenne, des fois, c'est plus long que ça. 36 heures entre le moment où vous dites oui et le prélèvement d'organes. Ce 36 heures-là, il doit y avoir l'investigation et l'attribution des... C'est-à-dire qu'on va vérifier chacun des organes. Parfois, il y a des biopsies, des scans, des bronchoscopies, des coronarographies. Investiguer chacun des organes, s'assurer qu'ils sont corrects. Il faut trouver les receveurs compatibles. Et parfois, il y a un receveur à Toronto, il y a un receveur à Edmonton, il y a un receveur à Québec. Imaginez, là, la personne qui est dans l'hôpital en périphérie va être transférée dans un centre de prélèvement d'organes, exemple comme à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et à Sacré-Cœur, ou dans les autres hôpitaux où ils se font des prélèvements, il y a des infirmières spécialisées qui vont prendre soin des familles de donneurs pour les soutenir tout au long du processus. Parce qu'en n'importe quand, vous pourriez dire, docteur, vous perdez votre fille, par exemple, docteur, on n'est plus capable, là, c'est trop souffrant, on va arrêter. Alors, on perd tout. On perd les organes, les receveurs perdent les organes, et les gens qui vont mourir sur les listes d'attente. Donc, il faut soutenir les familles. Là, vous êtes dans l'autre hôpital, on doit faire toute cette investigation, cette attribution. Viendra de Toronto un avion pour venir, parce que l'équipe de Toronto vient de prélever les poumons, l'équipe de Québec vient par avion prélever le cœur, et l'équipe de Edmonton vient pour chercher le pancréas, et il y a des chirurgiens, par exemple, de Montréal qui vont prendre les reins et le foie. Dans une salle d'opération pour un prélèvement d'organes, j'ai déjà compté 23 personnes. 23 personnes dans une salle. Alors, quand on voit un donneur tranquille dans un lit de soins intensifs, on n'imagine pas l'ampleur à partir du point A jusqu'à destination, parce que dans ces hôpitaux-là, à Toronto, à Québec et à Edmonton, les blocs opératoires sont bloqués. Parce que quand les chirurgiens vont arriver avec les poumons, ils ne pourront pas dire, bien maintenant, on prend notre numéro puis on attend notre tour pour aller au bloc opératoire. Donc, tout est bloqué partout, incluant des équipages d'avions, incluant des anesthésistes, des inhalothérapeutes à distance. À part les 22 personnes dans ma salle d'opération, il y a énormément de gens en amont et en aval. C'est extrêmement compliqué. Et les gens qui font cette coordination-là, c'est les organismes de coordination. Exemple, au Québec, c'est Transplant Québec. En Ontario, c'est Trillium Gift of Life. Vous parlez de Transplant Québec. Pendant que Marc va vous poser une question, on va passer des images filmées par Transplant Québec dans lesquelles vous avez été impliqué. On a retiré votre image. On a fait un petit montage. Et on a montré ces gens auxquels on est venu en aide. Donc, c'est des histoires qui se terminent bien. On laisse filer pendant qu'on écoute le docteur Marcellet et Mark Montgomery. Non, c'est une question, docteur. Y a-t-il un âge après lequel ça vaut plus la peine vraiment d'enlever les organes? Je veux dire, un homme de 65 ans, par exemple, est-ce que le cœur, les reins, etc. sont trop, disons, usés? Est-ce qu'on fait la transplantation d'un rein d'une personne de 65 ans dans une jeune de 20 ans, par exemple? Ça, c'est une excellente question, puis je suis bien content que vous la posiez parce que je vais vous surprendre. Première réponse, il n'y a pas de limite d'âge. Pour répondre ensuite, c'est qu'on va toujours attribuer les organes à la personne la plus appropriée.
Exemple, des cœurs, on va transplanter des cœurs jusqu'à 70 ans. Mais juste pour vous surprendre, parce que c'est une anecdote qui plaît beaucoup, le donneur le plus âgé au Canada avait 88 ans. C'était un foie. Et on a fait une émission à la radio l'année dernière avec, j'ai fait une émission l'année dernière avec une jeune femme. La jeune femme avait 19 ans. C'est une Québécoise. Elle était en Ontario. Elle a perdu conscience dans un parc. Un passant l'a étendue sur un banc de parc et a appelé le 911. Elle était en hépatite fulminante. Elle a besoin d'un foie. Elle a besoin d'un foie tout de suite. Il n'y a pas d'appareil qui remplace la fonction d'un foie. Malheureusement, il n'y avait pas de donneur de foie. La jeune femme était pour mourir. Le seul foie qui s'est présenté, c'est un monsieur de 88 ans. Bon, la famille a eu le courage de dire « Oui, s'il vous plaît, si ça peut sauver quelqu'un, faites-le. » Les chirurgiens avaient l'intention de prendre ce foie-là de façon temporaire, le temps de lui permettre de survivre en attendant d'avoir un autre foie. Ça fait 15 ans, elle a le même foie, elle a marié la personne qui l'a trouvé dans le parc et elle a des enfants. Alors, c'est un foie qui a 103 ans. Voilà. Quelque chose, ça. Quand même, hein? Alors, une longue réponse encore pour répondre. Autrement dit, jamais, jamais dites-vous que vous ne devez plus donner vos organes parce que vous ne voulez pas nuire au receveur à cause de votre âge. Parce que, voyez-vous, si cette famille-là avait dit ça à 88 ans, non, il est trop vieux, laissez-les tranquilles, il en a assez fait. Mais cette jeune femme ne sera pas là aujourd'hui. Paloma? Oui, une question. Vous avez dit tout à l'heure, dans une de vos longues réponses, j'ai bien retenu ça, que dire qu'on est disposé à donner nos organes, ça peut nuire, en fait, les dons d'organes. Pourquoi? À cette réalité-là, vous savez donner... Vous parlez de consentement présumé? Oui. C'est okay. Ça, des consentements, okay. Oui. Non, dire que vous voulez donner vos organes, ça ne nuit pas. Mais le consentement présumé, c'est des registres où vous êtes un donneur par défaut. C'est-à-dire, exemple, là, en Espagne, tout le monde est donneur, à moins que vous signifiez votre volonté de ne pas être donneur. D'accord, je comprends. Au Canada, c'est le contraire, c'est le consentement explicite. C'est-à-dire, vous êtes donneur parce que vous avez exprimé votre volonté de l'être. Mais ce consentement présumé-là n'est pas un avantage, parce que toujours, on demandera à la famille, même si c'est consentement présumé, est-ce que vous acceptez le don d'organes? Si la famille dit non, c'est non. Que ce soit présumé ou explicite, dans tous les pays, on fait toujours la demande. Mais la loi ne vous oblige pas de demander la permission à la famille. Si moi, j'ai dit oui, je suis d'accord avec l'idée de donner mes organes, est-ce que j'invente quelque chose ou pas? La loi ne m'oblige pas, mais je vais le faire quand même. Imaginez, vous perdez votre fille de 18 ans, là, puis vous me dites, docteur, vous vous êtes effondré. Docteur, il n'est pas question que vous touchiez à ma fille. Vous savez, comme un lion qui veut défendre sa fille, là. Il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un professionnel qui va dire, monsieur parent, vous n'avez pas un mot à dire, de toute façon, j'ai le droit d'y prendre. On n'est pas des détrousseurs, on se fait donner. Il n'y a personne qui va faire ça. D'accord. Non, ça, c'est pourquoi ils disent tout le temps, quand vous signez la carte comme quoi vous êtes donneur, d'expliquer la situation à la famille et les proches pour que ces situations n'arrivent pas, n'est-ce pas? C'est la chose la plus importante. Plus important encore que signer sa carte, quoi que signer sa carte, c'est important, et le manifester au registre, c'est important, le dire à votre famille, parce que c'est eux qui vont souffrir votre perte. Et c'est eux qui devront avoir le courage de passer à travers tout ça. Donc, vous devez leur donner cette force-là de dire, écoutez, même si ça prend 36-48 heures sur un respirateur, je souhaite sauver des gens, s'il vous plaît, n'interrompez pas ce processus-là. J'ai une petite question. Oui, bien, j'ai une petite question. Peut-être que c'est pas très intelligent, mais je veux savoir. Vous êtes à la bonne table. On avait dit qu'il n'était pas très intelligent. Et un enfant de 10, 12 ans qui décède, puis les parents ils disent oui, est-ce qu'on peut mettre un cœur d'un enfant de 12 ans à une personne de 80, par exemple? En fait, non. À 80 ans, on ne transplante pas des cœurs, mais l'exemple est bon quand même. C'est beaucoup plus une question de dimension et les transplanteurs vont s'assurer d'attribuer à la personne la plus appropriée possible. Les cœurs pédiatriques, les jeunes cœurs sont tellement rares que souvent, c'est toujours le contraire. C'est des cœurs de personnes beaucoup plus âgées qui vont être transplantés à des enfants parce que des donneurs pédiatriques, heureusement et malheureusement en même temps, sont rares parce que les morts cérébrales chez les enfants sont rares. Mais lorsqu'il y en a, puis souvent, malheureusement, il y a des enfants qui meurent sur des listes d'attente parce que faute de cœur. Alors, en fonction de la corpulence du donneur, des organes vont être attribués à des enfants, souvent des enfants. Okay. Une dernière question. Un donneur de 20 ans peut être attribué à quelqu'un de 45 ans, ça peut arriver, oui. Okay. Docteur Marcellet, vous nous avez bien expliqué la complexité de tout le processus et puis tous les obstacles qu'un médecin et que les familles rencontrent dans le processus. Mais vous, qu'est-ce que vous juger qui serait le plus important, la démarche la plus importante pour vraiment qu'il y ait une amélioration du don d'organes au Canada?
Moi, ce sur quoi je travaille depuis le début, là où je mets le maximum de mes énergies, c'est de sensibiliser les professionnels. Parce qu'à mon avis, il y a plusieurs facteurs limitants. On perd un pourcentage à chacun des maillons faibles. Mais à mon sens, là où on pourrait gagner le plus, c'est de sensibiliser nos professionnels de la santé à identifier, approcher et savoir approcher et stabiliser les donneurs d'organes et approcher les familles. On n'identifie pas la moitié des donneurs. Et pourquoi? Parce que ou bien le professionnel ne sait pas qu'il a un donneur potentiel devant lui, ou bien il n'a pas, puis ça, il y a de la littérature là-dessus, il ne sent pas le courage ou la capacité d'approcher une famille pour leur proposer cette option. Ouais, ouais. Docteur, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler de ça. Moi, c'est mon contact le plus approfondi par rapport à cette réalité-là. Mm-hmm. Puis je suis sûr que ceux qui se trouvent de l'autre côté de la caméra... Ce sera aussi pour une occasion d'en apprendre beaucoup plus qu'en 3 ou 4 minutes d'entrevue à la télévision. Le web est fantastique par rapport à ça. Merci beaucoup, docteur Marsolet. Merci à vous pour cette belle occasion. Oui. Alors, c'était le docteur Pierre Marsolet, directeur du Centre de prélèvement d'organes de l'Hôpital du Sacré-Cœur. Je vous le répète, c'est le spécialiste au Québec sur ces questions-là. Maintenant, on est prêt pour le jeu de la grosse boule. Oui. Je ne voulais pas mettre au défi vos connaissances pendant qu'il était encore là, sinon ça aurait été la honte nationale. C'est normal. Il est encore là? D'accord. Alors, voici. Deuxième manche. C'est bon pour combien de points? Hein? 20. 30. Regardez à l'écran. 30 points. 30 points. C'est 20, 30 et deuxième 50. Deuxième grosse c'est boule. Vrai. C'est ça. 30 points. Et on va demander à Leonardo de nous lire la question. Il a ses lunettes aujourd'hui. Oui. une donneur qui décède au Canada peut sauver la vie de combien de personnes malades? Alors, un donneur, il peut sauver la vie à combien de personnes? 7. 7. Vous pensez que c'est 7 un chiffre sensu? Moi, je serais d'accord avec ça. Ouais. C'est un bon fond de... Il me semble que j'ai entendu 9. Vous avez entendu ça quelque part. Là, on parle d'un donneur vivant ou... Non, il parlait des deux catégories de donneurs, c'est-à-dire ceux qui sont cadavériques ou... Oui, elle a raison. On peut être vivant, mort cérébrale, mais vivant. C'est ça. Je ne comprends pas pourquoi vous riez. Vraiment. Non, parce que la question... Bien parlé des deux catégories. La question indique qu'il décède au Canada. Voilà. Ah, est mort. Un sur 7, chiffre chanceux. Un sur 9? Un sur 7. Oui. D'accord. Marc? Oui, je dirais 7. Moi, je dis plus que ça, 15. 15, pourquoi pas. on parle de sauver la vie. Donc, si c'est pour venir en aide, vous auriez peut-être la bonne réponse. 15, facilement, il y a des tissus, on prélève des tissus, des tendons. Okay. On prélève beaucoup de petits morceaux. Mm. Mais au niveau des organes, vous n'avez pas 15 organes, à ce que je sache. ça serait de bonnes questions de la boule. Cœur, rein, voilà. Rein, en tout cas, poumon. Cornet. Deux reins, ça sauve pas la vie. La biologie, les cours de biologie au primaire, c'est essentiel. Alors, c'est 8 personnes. 8? Oui. C'est qui était le plus proche? Ouais. Mais c'est trois, voilà. Nos trois. On peut donner 2 poumons, donc on sauve 2 vies. Vous voyez, on divise là, on est à ce niveau-là. Okay. Voilà pour le calcul. Alors, c'est combien 30 points pour qui déjà? Moi, j'ai dit 7. J'ai dit 7. Donc, 30 points. Il n'y a pas eu de bonne réponse. Et puis, voilà. Donc, ça fait 50. 30 et 50. Il faut que j'inscrive ça parce que c'est une... Monsieur l'animateur, là. C'est moi qui le marque. Regarde. Vous avez oublié les 20 points au début, là. Non, j'ai laissé marquer Marc. Alors, c'est quoi le score officiel? Vous tenez... Je tiens ça aujourd'hui. Allez-y. Marc, 50. D'accord. Léo, 30. Ouais. Marie-Claude, 0. Paloma, 50. Très bien. Faites bien de suivre votre propre dossier. C'est comme la santé. Vaut mieux suivre ses propres affaires que de laisser les médecins faire les choses. Alors voilà, écoutez, j'ai une belle nouvelle pour vous. Vous vous rappelez de notre invité, donc le docteur Marsolet. Il était à la télévision d'une émission qui a un peu copié notre formule, qui s'appelle « Tout le monde en parle ». Nous, c'est toute la planète en parle. C'était en 2009. Le voici, le voilà, avec un patient. Vous allez le reconnaître. Il est en arrière-plan. Le Côte Sylvain. Et voici un extrait de l'émission. Première 26 ans, on lui implante un stimulateur défibrillateur. Il a été mis sur la liste d'attente pour une greffe de cœur à 32 ans. Là, il a 33 ans. 4 enfants. Après 3 semaines aux soins intensifs, la médecine ne peut plus sauver. Mon papa, c'est un donneur qui l'a sauvé. Bravo.
vraiment très, très, très efficace. Ça, ouais, ça veut tout dire. Sylvain, comment vous avez su que vous aviez des problèmes de cœur? Ma sœur est décédée, elle avait 18 ans, en allant faire son jogging. Alors, c'était pas normal. Puis on a investigué toute la famille. Puis trois mois plus tard, donc, je me ramassais à l'Institut de cardiologie en me faisant expliquer c'était quoi une cardiopathie hypertrophique. Puis que un jour, j'aurais besoin d'une greffe cardiaque. Et vous aviez 13 ans à l'époque. Oui. Est-ce que vous avez pris ça comme une condamnation de mort? Je pense qu'à 13 ans, j'ai jamais été conscient de l'importance de ça, de te faire dire qu'à 19 ans, en passant, si t'as pas un cœur, probablement que tu vas être mort. J'ai jamais été conscient vraiment de tout ça. D'ailleurs, j'avais aucun plan de carrière avant 19 ans parce que pour moi, je vais mourir à 19 ans. Ça finissait à 19 ans. J'ai pas besoin d'étudier, je vais mourir à 19 ans. Comment on se prépare psychologiquement à recevoir un nouveau cœur? Écoutez, à ma connaissance, il n'y a encore aucun manuel du parfait petit greffé. Et vous ne voulez pas l'écrire? Et je ne pas t'en pas encore. Il n'y a rien, je pense, c'est juste d'y aller avec la réalité que oui, demain, peut-être, je vais mourir. Et oui, demain, peut-être que je vais survivre. Et je dirais, bon, les 5 enfants, à ce moment-là, j'en avais 4, Marie, ma blonde, ma femme, c'est de se tenir à ces bouées qui sont là, puis une référence, de dire, j'ai pas le droit de lâcher, peu importe ce qui arrive. J'ai pas le droit d'abandonner, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Même s'il y a une fatalité qui est là, qui est toujours au-dessus de toi, c'est de vivre avec ça. Alors là, c'était Sylvain Bédard, greffé du cœur en 2009. Et à l'arrière-plan, il y avait, on l'a vu, vous l'avez reconnu, oui, le docteur, plus jeune, comme nous tous d'ailleurs. J'ai une question, mais j'ai oublié de la poser. En fait, si moi je reçois un cœur, puis dans 3 ans, je meurs dans un accident, puis mon cœur, il était intact, est-ce que je peux le donner encore? J'imagine que oui. Pourquoi pas? Mais si vous ne vouliez pas le donner, vous seriez un sans-cœur, c'est sûr. Ouais, ouais. J'ai pas la réponse, moi, non plus, à cette question. Bon. Enlève 20. Alors, moins 20 de mon côté. Inscrivez-le, pas de problème. Et, question pour vous, la question Tam Tam Canada. On a posé la question, il y a une personne qui a répondu cette semaine. On va regarder c'est quoi la question, on va demander à Mark Montgomery. Lisez la question pour nous. Advenant le cas où vous mouriez accidentellement, seriez-vous à l'aise ou non avec l'idée de faire don de vos organes? Je remercie Marie-Claude Simard qui a fait l'image du cœur. Vous ne l'avez pas faite, mais vous l'avez utilisée. C'est ça. C'est bon. Alors, c'est très bien, c'est très beau, hein? C'était très représentatif. C'est la question qu'on a posée. Il y a une personne sur Facebook, une seule personne qui s'est prononcée. Pas un sujet facile. Hein? Non, c'est pas un sujet facile. Je crois que tout le monde se pose la même question quand il faut signer notre permis de conduire ou même la carte d'assurance maladie pour nos enfants. Quand on est parent, il faut la signer pour eux. C'est difficile de prendre cette décision. J'ai connu un couple qui dont le mari était malade des reins. Il lui fallait un rein, puis c'est sa femme qui lui a donné. C'était très difficile pour les deux. C'était vraiment un événement dur à vivre. Ça durait pendant plusieurs mois. C'est quelque chose à faire ça. Donc, une décision dure à prendre. Dure pour deux personnes. Oui. C'est une hache dans une vie, c'est sûr. Mark? C'est aussi, quand vous signez la carte en disant que vous êtes prête à donner vos organes au cas où, c'est aussi comme une réalité que ça peut arriver. Là. Vous pouvez mourir accidentellement, là, subitement. Là. Si personne ne veut mourir comme ça, là, mais c'est comme signer une sorte de compréhension que ça peut arriver. Là. C'est un testament qu'on fait. Quand on signe, c'est un testament. Ben, c'est un peu c'est comme notre testament. Il y a des gens qui ne voudront jamais signer un testament en se disant ça ne se produira jamais. Mais c'est effectivement une préparation à la mort. Hein. Ouais. C'est une indication que ça va se terminer peut-être mal. Non, mais il y a des gens ici au Canada qui commencent à acheter l'endroit où ils vont être déposés. C'est depuis... Pas juste au Canada. Au Mexique, ils font ça mais aussi. Je le sais qu'en Argentine, c'est plus rare, mais ici, on les achète avec beaucoup d'anticipation. Mm. Mais là, on devrait signer aussi, hein, avec anticipation.
C'est simple de ce côté-ci. Ouais. Il y a des gens qui donnent leur corps à la science. Il y a une maison qui est mort il y a 2 ans, d'un problème cardiaque, qui a donné son corps à la science. Une histoire qui s'est terminée. Bon, je vous donnerai d'autres détails hors antenne, là. Mais il a servi. Mais ça, c'est aussi c'est une chose très importante parce que les médecins ont besoin en herbe, oui. ont besoin de voir qu'est-ce qui se passe et comment le faire, etc. J'ai dû signer à 20 et quelques années pour autoriser le prélèvement d'un membre pour la science. J'ai dû signer. C'est ma mère qui a coupé la jambe pour son diabète. Hein? Okay. Puis il était vraiment en salle d'opération. Puis il y a 4 personnes qui m'ont approché. Est-ce que vous signez pour... C'est dur, ça. OK. Elle ne pouvait pas prendre la décision elle-même? Non, il était, sous la médication. Il ne pouvait pas. Ah, mais il fallait le faire Il fallait deux personnes de la famille. Puis j'étais le seul qui était là à ce moment-là. Puis ils n'ont pas commencé l'opération jusqu'à que ma sœur est arrivée et a signé aussi. Marie-Claude? Bien, moi, je pense qu'une bonne façon de regarder la réalité en face, c'est d'imaginer nos proches, quand nous, on va être décédés, pour leur simplifier la vie, en fait. Tu signes tes cartes, tu fais ton testament, parce que c'est facile de faire l'autruche, je ne vais pas penser à ça, mais c'est vrai que c'est facile. Tu veux leur venir en... Ouais. Bien, au début de l'émission, vous avez dit que le nombre de dons a augmenté au Canada dernièrement, et ça, c'est en partie à cause de cet accident tragique de Humboldt en Saskatchewan, où l'équipe de hockey a été comme anéanti. Et les parents ont fait don des organes des jeunes joueurs de hockey qui, évidemment, ils étaient en bonne forme. Donc, le monde a pris conscience de ça, puis il dit oui, c'est une bonne idée. Puis beaucoup ont signé leur carte pour don d'organes. Ouais. Ça a beaucoup aidé. Écoutez, on est prêt pour notre dernière question qui va déterminer notre gagnant, celui qui va gagner notre estime cette semaine. Peut-être Marie-Claude va nous rattraper, hein? Sûrement! Alors, voici la troisième 50 question. 50 points! 50 points! Oh! Ah, c'est fun! Alors, qui va lire la question? Hein? Qui va se précipiter pour lire la question? Marie-Claude. Aux États-Unis, à la fin mars, un soldat américain blessé en Afghanistan a reçu quel type de greffe, une première au monde? Ben oui, on a entendu parler des premières au monde, greffe du visage. Il y a eu des greffes de nez aussi. Ah, j'ai vu cette nouvelle, puis j'ai oublié. OK. Ben, vous avez déjà oublié? Petite mémoire très courte. Mémoire courte. On voit tellement de greffe de mémoire. Ça, je vais appliquer Google. Ça s'appelle la greffe de cerveau. Et en fait, il y a un scientifique, je ne sais pas dans quel pays, je pense que c'est en France, je ne sais pas si c'est vraiment en France, mais en tout cas, ce n'est pas au Canada. Et il veut greffer la tête de quelqu'un. C'est une greffe très délicate? Je ne sais pas si c'est toutes les greffes sont délicates. Ouais. Okay. Comprendrez bien que je répondrai par oui ou par non. Moi, je vais dire la main, une greffe de main. Une greffe de main? Ouais. Je sais que ce n'est pas vraiment un organe, mais c'est une greffe. Oui. Ben, c'est ça, c'est pas un organe. C'est un je peux déjà vous dire que ce n'est pas la bonne réponse. Je vais vous donner quelques secondes pour y repenser. Paloma. Ah là là! Aux États-Unis, à la fin mars, un soldat américain blessé en Afghanistan a reçu quel type de greffe, une première au monde? Est-ce que c'est une partie intime? Une partie intime. Il y en a beaucoup de choses qui sont intimes chez vous. C'est une partie intime. Oui, c'est une greffe de pénis. Oui, absolument. De pénis. Dites-le. De pénis. J'ai pas compris. Mais ils n'ont pas... Écoutez, ils n'ont pas changé... Je voulais pas le dire. Ils n'ont pas changé tout le reste. J'ai lu ça, puis c'était très intéressant, en fait, l'article... Tu m'en as parlé, n'est-ce pas? L'article scientifique, oui. Oui. C'est très intéressant parce qu'ils allaient récupérer, en fait, ces messieurs-là, ils allaient récupérer la possibilité d'aller à la toilette. Des relations. Puis des relations sexuelles aussi, mais c'est une deuxième étape. Mais il y a une petite pompe. Non, ça c'est une autre chose. Bon, lui, il parle d'un pénis, j'ai bien compris. Maintenant, votre réponse?
Ah là là! Parce qu'il a peut-être inventé une histoire, c'est peut-être une fausse nouvelle. Gorge! Quelque chose à la gorge. OK. C'est on parle d'un organe, l'organe de la gorge. Très bien. Non, larynx ou quelque chose. Ah, tiens. Non, lui, il a parlé de l'organe. L'organe? Comment on dit ça en espagnol? El organo. El organo. C'est la même chose que le... Non, mais en Italie, c'est quelque chose que tu mets sur la spaghetti, l'organo. Oregano. C'est votre réponse, c'est l'oregano? Non, non. Mais vous savez, c'est quoi ma réponse? Oui, je sais c'est quoi votre réponse. C'est très sensible, votre affaire. Et Marie-Claude? Ben moi, j'avais dit la main, je... Elle garde sa réponse. Vous persistez, d'accord. Alors, c'est une... Je rentre pas dans ce sujet de conversation. C'est une greffe du pénis et du scrotum. Ah! Leonardo a gagné voilà. Tout. Et puis on espère qu'il va retrouver ses fonctions sexuelles et urinaires. C'est ça, voilà. Il n'y a pas de détails. C'est ça la chose très intime. Voilà. Mais c'est très sérieux. Moi, Marc aussi a gagné, peut-être? Ben oui. T'as répondu la même chose? Ouais. Ah, c'est parce que je ne voulais pas le dire d'un mot. Mon voisin est un ambulancier. Il m'a raconté des histoires. Ça a quelque chose à voir avec les scrotum. Bon, alors... C'est Marc qui a gagné. C'est Marc. Il y a eu 100 points sur, point, sur 100. 100 sur 100, ça ne s'est jamais vu. Non, non, félicitations. Bravo, Marc. C'est pas vu depuis la semaine dernière. C'est il est complètement échoué. Ouais. Ben, c'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir joué aujourd'hui et d'avoir appris, surtout. Parce que nous, c'est le jeu à travers... Non, c'est le contraire. C'est apprendre en jouant. C'est ça. C'est pas l'inverse. Sinon, ce serait pas sérieux. Voilà. Merci beaucoup, Maloma, cette semaine, merci. D'être venue. Et puis, la semaine prochaine, vous serez pas là, c'est sûr. Je serai pas là. On peut déjà inscrire non dans zéro pour le score. Et puis, Mark Montgomery, qui est toujours un grand gentleman de merci beaucoup. Un gentleman journaliste. Très gentil. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. J'ai demandé à la dernière minute, à la dernière heure, pas la dernière minute, dernière heure. Marie-Claude Simard, à la semaine prochaine. Toujours au poste. Et puis, ouais. Félicitations encore une fois. L'applaudit, franchement. Non, c'est lui. C'est lui qui a gagné. Moi, j'en ai eu 80. Lui a eu 80. Félicitations pour vos 80 points. Merci, merci. Très bien. Alors, la caméra pour dire adieu à la planète, c'est les où? Deux. Les deux. Les deux. Oh! Au revoir. Stéréo. En stéréo. Au revoir. Bye. Bye.